Salut les amis. Alors aujourd'hui c'est un super jour parce que enfin j'ai quelque chose pour moi. Voilà, enfin j'ai pu récupérer mon Obao Hyper MT Sport Plus 2, sa sacrée noix à allonge. J'espère que la machine sera aussi bien que la taille du nom quoi. Donc voilà ce qui est devant ce gros carton. Donc on va faire ensemble avec le plus grand plaisir le unboxing de cet engin. Engin qui a déjà été unboxé par plusieurs personnes, donc Mani, RC Mumu, je crois, BRZ, RC Passion, enfin que des pointures, et ils ont tous dit que c'était une super machine, donc je suis vraiment content de l'avoir. D'ailleurs, c'est une machine qui est passée par le garage de Mani. Je sais pas si c'était un ancien lui ou juste un de ses potes, je sais pas trop. Donc voilà, donc on va ouvrir ça ensemble avec le plus grand plaisir. Donc j'ai déjà un peu triché, hein. Je l'avais déjà ouvert parce que. Voilà, je voulais voir comment c'était, donc je voulais plus enlever les roues parce que j'ai mis du frein filet sur les roues parce que c'est un peu chiant à mettre en place les hexagones là, de 17. Donc voilà, j'ai remis dans le carton, on va sortir ça ensemble. Donc je vous dis à tout de suite. Le carton, il est là. Le big carton quoi. Donc voyons voir. Donc, bon, c'était déjà un peu ouvert. Oh punaise, un Obao hyper MT. Donc voilà la boîte d'origine hein, du bestio. J'ai un peu triché parce que vu que j'avais monté les roues, je pouvais plus le remettre dans sa boîte d'origine. Hop là, désolé pour. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il est là. Donc c'est bien sûr, il est d'occasion. Hein. Je ne sais pas si j'avais précisé. Donc on a le droit à une carreau incassable qui porte bien son nom parce qu'apparemment elle a déjà bien servi, hein. Moi ça me dérange pas hein, parce que de toute façon après ces engins ça sert pas à rester sur une étagère. Hein. Donc vous inquiétez pas. J'ai déjà un petit plan, je vais la poncer et j'ai mes petites peintures pour lui refaire une beauté, même si c'est une incassable, je m'en fous. Je veux avoir la classe avec ma caisse. Donc voilà, on va mettre ça de côté. Donc là, on a la petite carreau d'origine. Voilà. Qui a le défaut d'être, comme beaucoup le disent, trop petit par rapport à la taille du véhicule. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, effectivement. Je dois l'avouer. Le châssis du monstre avec la petite poignée en caoutchouc là. Hop là. Et voilà le bébé. Eh ben, super quoi, il prend tout. Il rentre tout juste sur mon établi. Voilà le magnifique Obao. Ouais, il est vraiment très beau. Hein. Tiens, on va lui mettre un petit coup sa carreau d'origine. À peu près hein. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est vrai que la carreau d'origine elle a beaucoup de gueule. C'est vrai que c'est dommage qu'ils l'ont pas un petit peu plus enfin fait plus à l'échelle par rapport au véhicule, effectivement c'est un peu con ça, mais ça reste super beau. Donc qu'est-ce qu'on peut dire hein, sur cette caisse? Donc on va commencer par le début hein, les pneus. Donc, des magnifiques pneus de 197 de diamètre et de largeur 105, avec des jantes de 102 et 76 de large. Ce sont vraiment belles, hein, sont chouettes avec ces rayons là. Le design du pneu est pas mal. Et apparemment il fonctionne très bien d'après ce que j'ai pu comprendre. On a des moyeux de roues de 20 mm avec des écrous de 17 qui viennent se loger au fond. Donc ça c'est juste ceux-là, ils sont juste un peu chiants à mettre parce qu'il faut une douille profonde pour pouvoir les mettre. Donc c'est pour ça que vu que j'avais plus envie de les enlever, j'ai mis du frein filet et du coup j'ai laissé les pneus monter dessus.
Alors, en électronique, on a du Obiwing 150 ampères. C'est le même variateur, il me semble, qu'il y a sur le Sen. Il me semble, je suis même sûr. Par contre, le moteur, on est sur du 2000 kW. 2000 kW, qui est peut-être pas forcément l'idéal pour cet engin, mais apparemment, ça marche pas mal. Donc, on est aussi sur un système à trois différentiels. Donc, ce qui est déjà bien, ce qui est super. Qu'est-ce que peut encore dire? On a les diff pignons et transmissions qui sont en acier haute résistance. Et le châssis, ce qui comporte le châssis, est fait en une seule pièce. Donc ce qui est bien. Et ce qui a l'air, il a l'air vachement costaud. Le châssis, on va un petit peu le faire pivoter. Hop là. Vous voyez l'épaisseur là? On est sur la bonne épaisseur d'alu. En une seule pièce, donc on est beaucoup plus solide du coup. Hein. Donc on risque pas de casser des vis ou quelconque. Hein. On est vraiment sur une pièce et l'ensemble est vraiment bien foutu. Il y a un petit défaut qui a été relevé par d'autres personnes aussi. C'est ici là, on a un petit coin. Donc si vraiment on devrait sur un seau ou taper un peu le châssis un peu assez bas pour rester accroché quoi. Ce qui est apparemment un petit peu arrivé vu que ça peut frotter. Sinon le bas du châssis on voit hein, que malgré l'état de la carreau qui peut laisser à dire que l'engin a bien roulé, a bien bâché, au niveau du châssis ça prend rien. Hein. Donc l'avantage aussi de cet engin, c'est qu'il a un très bon débattement de suspension pour la catégorie un des meilleurs. Donc voilà les suspensions. On a un sacré débattement. Et son petit point faible, c'est la direction. C'est pas son fort hein, de tourner très très vite, mais bon, après, ça dépend comment on roule sur les surfaces, hein, ça devrait le faire. En tout cas, c'est un bon engin d'après les retours, donc il n'y a pas de souci. Les triangles sont vraiment énormes. Je sais pas si vous pouvez les voir. Il doit faire 7 à 8 cm de large. Vraiment, c'est du plastique très épais, souple. Et on a exactement la même chose à l'arrière. Ce qui est cool, si jamais on casse une pièce, eh ben, il nous en suffit d'une qu'on peut monter, que ce soit devant ou derrière, ça s'adapte. Donc, on a aussi un système de lipo à double bac de lipo. Donc idéalement, faut le faire fonctionner en 2 x 3S quand l'engin. Voilà qu'il est tout à fait possible avec ces bacs de mettre deux batteries de 6S, donc bien sûr pas rouler en 12S, mais les mettre en parallèle pour avoir le même voltage mais doubler la capacité. C'est tout à fait faisable avec ces bacs. Juste voir après si en tournant la roue, ils ne viennent pas toucher là, ils ne viennent pas frotter avec la largeur. Je pense que ça devrait passer. Voilà, donc on a la petite barre de wheeling. C'est un peu bizarre le fait qu'ils ont mis 3 roues. Mais bon, pourquoi pas, hein, c'était d'origine avec, on va prendre. Hein. Après, tous les axes, tous les réglages pour la direction, la transmission, ça a vraiment l'air d'être du costaud. J'ai vu la noix là-bas, je ne sais pas si vous la voyez. C'est pas évident comme ça de montrer. En fait, l'usure des noix, que ce soit celles qui sont là ou celles du milieu, c'est zéro. Il n'y a pas d'usure dessus. C'est incroyable. Ah voilà. Là, peut-être qu'on verra mieux. C'est pas évident à voir, mais elles sont comme neuves quoi. Donc tant mieux. Ça c'est vraiment bien pour les Obao, qui est une très bonne marque. De toute façon, il n'y a rien à dire. Hein. J'ai rarement vu des gens qui sont pas contents de leur Obao. Ah, il a de la gueule hein, le châssis. Excellent quoi. Par contre, ce que j'ai vu qui est super bien aussi, regardez ça. Ça franchement, chapeau. La cale. Regardez l'épaisseur de la cale. Oui, la caille en alu.
Donc c'est un alu plus dur où vient se fixer toute la partie moteur dessus. C'est vraiment bien foutu quoi, c'est hyper costaud et en même temps ça peut pas bouger. Là, l'électronique est vraiment bien protégée. Et donc après on vient fixer le moteur avec ce système là. Donc là c'est pareil, hein, c'est fixé sur la plaque. Ça risque pas de prendre du jeu ou de se desserrer ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment, vraiment sympa le système quoi. Et ben voilà, j'étais vraiment content de vous présenter mon acquisition. Donc je vous ferai un petit retour sur la carreau, bien sûr, hein, que je vais repeindre, m'amuser à faire à mon goût. Et on fera un essai, tant bien que mal, hein, sur le terrain derrière. On est en confinement, donc c'est pas le top. Mais bon, on va s'amuser quand même avec une petite rampe. Et je vous ferai l'essai rapidement. Voilà, ben, je vous dis. Ah, une petite précision avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à aller voir. On a créé avec un ami Kevin un forum sur la RC. Donc le forum s'appelle rcalsace.fr. Donc c'est pas réservé uniquement aux Alsaciens, bien sûr, hein, c'est ouvert à tout le monde. Sauf que le nom de domaine était pas encore pris, donc on en a profité parce que ce sera le seul forum. Encore seul forum actif en Alsace sur la RC. Donc la RC en tout genre, hein, que ce soit voiture bien sûr, avion, drone, bateau, tout le monde est le bienvenu. Donc allez-y, c'est rcalsace.fr. Donc je vous dis à bientôt pour le test. Ciao !